Les étudiants que j'ai choisis sur book, enfin un book, ça a été très rapide le choix parce qu'on a eu que quelques jours, voire une semaine pour les sélectionner. Donc ça a été plutôt sur leur dessin et les idées qu'ils avaient. Donc il fallait qu'ils sachent un peu dessiner, qu'ils aient le sens du dessin. Voilà. Malgré tout, il y a un retour, un désir des gens qui veulent revenir au travail fait main. Donc il y a une clientèle pour ça. L'artisan ne peut pas vendre ses créations trop chères parce qu'effectivement, il y a cette concurrence pas chère. Mais les gens quand même ont envie d'un objet fait main. Une dernière chose importante, c'est qu'il est très rare de faire une formation de bijoux, de commencer une formation de bijouterie en apprenant toutes les techniques de base et en cumulant, en associant la création de l'objet et jusqu'à l'objet fini, l'aboutissement de l'objet fini. Donc je pense que TUMO offre à ses étudiants une véritable opportunité, occasion rare, parce que dans aucun atelier, même en France, à Paris, on va réaliser des objets finis importants, voire toute une collection en quelques semaines d'apprentissage, tout en apprenant les bases techniques. Ça, c'est exceptionnel. Bravo tout le monde.